Guy Houlon is proprietor of one of the larger oyster farms in Britain. Nous sommes fermés depuis quelques jours après la catastrophe. Et les huîtres ont tout de suite pris le goût de pétrole, 3-4 jours après le naufrage. Nous avons donc été obligés d'arrêter complètement la commercialisation des huîtres. Alors cette huître est marron, la chair est marron et il y a certainement du pétrole dedans. Et on voit bien la couleur n'est pas normale. On peut la manger mais elle a très mauvais goût. Alors ce n'est pas, on ne peut pas dire que ce soit une huître de consommation, le goût n'est pas bon. The fluid from the oyster contains tiny droplets of oil. The government has ordered all Houlon's stock destroyed. Après, il faudra attendre que le mazout ait été nettoyé partout, que le sol ait lâché le mazout qu'il renferme, et ensuite réensemencer nos parcs, ce qui demandera au moins 2, 3, 4, peut-être 5 ans.